pour celles et ceux qui sont venus en retard à la compo de notre racine, avec cet après-midi dans les buts, le numéro 1 d'André Bonnefoy, numéro 3 de Lindo, numéro 12 Kader Mangan, le numéro 22 capitaine Ernest Sika, le numéro 24 Eric Marister, le numéro 8 Jean-Hugues Aoulou, le numéro 17 Anthony Consalves, le numéro 9 Baptiste Guillaume, le numéro 11 Dimitri Viena, le numéro 13 Jérémy Blayac et le numéro 29 Khalid Boutaïb. Dans quelques instants, le coup d'envoi qui va être donné par notre partenaire CroisiEurope avec une belle passion. Face à Lille en Coupe de France. Bon anniversaire de mariage, mon petit Jojo. Qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Dominique Kuntz, amiral des bateaux du Rhin de CroisiEurope. Allez-y Dominique, voilà. Bon match à tous. On vous souhaite une excellente après-midi. Et comme on dit, ici, chez nous, allez les Bleus, allez Racing. La France entière nous regarde cet après-midi. On aura besoin de votre soutien, on aura besoin que vous nous fassiez du bruit. Faites-moi, public de la Mélo, faites-moi du bruit. Allez.
Thank you.
Thank you.
Et c'est la victoire ici à la Méno. Entre le leader de la Ligue 2 et le Racing et Poller, le Racing mène à 0. Merci d'accompagner par vos applaudissements la rentrée des petits bleus dans le vestiaire. Et puis dans quelques instants, le challenge Haribo, le challenge tir au but pour les jeunes supporters. Oui Baptiste, 1-0 pour Strasbourg à la mi-temps, c'est plutôt bien. Vous avez marqué, vous devez être très, très satisfait, mais on sent un petit peu d'énervement, d'agacement. Votre coach, il n'a pas arrêté hein, sur la première période à vous parler en permanence. Oui, mais il est sans cesse derrière nous. C'est sa manière de nous montrer qu'il veut nous pousser pour aller de l'avant. Et ça nous réussit plutôt bien en cette première mi-temps. On gagne 1-0. À nous de ne pas nous enflammer et de continuer à faire ce qu'il faut défensivement pour ramener les 3 points à la fin du match. Quelle consigne est-ce que vous imaginez pour la seconde période? C'est de rester comme on est en bloc actuellement. On fait ça bien. On empêche Brest de jouer son jeu et comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous réussit bien. À nous de continuer jusqu'aux dernières minutes et j'espère que ça nous sourira à la fin. Merci. On va enchaîner du coup avec Gaëtan Bello. Première période un peu délicate, vous avez eu. Le rythme. On a dit que ça correspondait avec la sortie peut-être d'un de vos joueurs, le remplaçant de Fossurier aussi au poste de latéral gauche. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, ils ont commencé à allonger. Et avec leur grand gabarit, ils nous ont posé problème. Donc sur le but, voilà, c'est un jeu de tête où ils prennent le dessus. Donc il va falloir qu'on soit plus agressif dans les duels aériens surtout. Pour le joueur sortant, je parlais de Quentin Bernard bien sûr. Est-ce que vous pensez que ça a déséquilibré peut-être un petit peu l'équipe? Bah, c'est jamais bon de sortir un joueur au bout de 20 minutes de toute façon. Donc voilà, c'est sûr que ça nous a pas aidé, mais c'est pas ça qui a fait la différence, je pense. Merci. Des agences du Crédit Agricole, le Crédit Agricole Alsace-Vosges, 100% utile, 100% local. Pierre Schmitt, ce sont les tartes flambées et charcuteries alsaciennes depuis 1911. Les 10 secrets de famille font le vendre au site Pierre Schmitt, partenaire officiel de Racing. Le PMU, partenaire officiel de Racing, vous donne rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'appli PMU.fr Sport pour parier sur le club de votre cœur. Et jusqu'à 170 euros, vous serez offert pour parier sur tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, le tout sur PMU.fr. Sur vous. Allez les bleus, allez Racing!
Thank you.
Yeah!
Changement des côtés de la cible, merci de venir. La sortie du numéro 13, Jérémy Mayoc. Merci de manger. La rentrée du numéro 19, Stéphane. Stéphane. Changement de l'autre côté. Juste une question de la sortie du numéro 11. Thank you.
Racing cet après-midi. 17 514 supporters. 17 514 fois merci.
Changement du côté du Racing, merci d'applaudir la sortie du double bouton de cet après-midi. Le numéro 9, Baptiste. Et le changement de contrôle du numéro 28, Vincent Brigue. Troisième dernier changement pour le Racing. Merci. Sorti également du numéro 17, Anthony Rosales. Et
Merci les Bleus. Je rappelle que vous pouvez suivre retrouver le résumé de ce match sur le site officiel de la CNA RC, www.rcstrasbourg.fr, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Un clin d'œil à nos amis de GSFS, le spécialiste de l'assurance construction, partenaire du RACIG. Rejoignez-vous aussi le premier groupe spécialisé dans l'assurance construction en France, SFS, le spécialiste de l'assurance construction. Ils sont à votre côté pour construire l'avenir. Et puis rendez-vous également lundi soir à 18h30 sur France Bleu Alsace pour suivre le club Racing avec les amis de France Bleu Alsace et France à Strasbourg. C'est le 120.4. Nouvelle victoire du Racing! Merci à vous, vous étiez encore une fois très nombreux cet après-midi, 17 000 supporters, spectateurs présents. Le prochain match, ce sera la venue du FC Sochaux. Ah, ils vont peut-être perdre chez nous, comme tout le monde. Et les tribunes qui se rapprochent du club, bien évidemment. Merci à l'ensemble des tribunes, merci à la tribune Est, à la tribune Famille. Merci à la tribune Nord, merci à vous, merci également à la tribune Sud. Ouais, Valentin, la défaite est difficile, encaisser 4 buts ici à Strasbourg, c'est dur, vous perdez en plus votre fauteuil de leader. Qu'est-ce qui a flanché aujourd'hui, j'ai envie de dire, du côté de Brest? Je pense qu'on a été un peu trop fébrile défensivement, là, voilà, on avait tenté un coup en faisant un 3-4-3. Je pense que ça a assez bien marché au début, et puis après voilà, ils ont procédé en contre, et voilà, on sait qu'ils ont des bons joueurs de tête, et ils ont beaucoup de taille devant, et je pense que cet après-midi ça a fait la différence. On a vu que ça n'avait pas fonctionné à la fin de la première période. Est-ce qu'il fallait changer quelque chose au retour des vestiaires, ce qui n'a pas forcément été fait ou pas du tout? Je sais pas, moi, il faut aller demander ça au coach, c'est pas à moi de dire si ça a fonctionné ou pas, mais c'est vrai que ce soir on a eu beaucoup de mal et c'est très dommage. Sur le plan personnel, vous enchaînez les bonnes performances, un nouveau but pour vous. Vous vous sentez bien, vous êtes bien sur le terrain. Ouais, c'est vrai que personnellement, physiquement, je suis bien, j'ai retrouvé des cannes et c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir que ça paye sur le plan comptable. Merci. Dimitri, vous espériez casser cette mauvaise série, repartir de l'avant finalement face au leader, vous le faites tomber, vous remontez à cette quatrième place, vous êtes relancé pour la course à la Ligue 1, c'est tout beau cet après-midi. Oui, le public était là, le soleil était là, on n'avait pas un meilleur match pour se relancer en jouant le leader, on ne pouvait pas trouver d'excuses cet après-midi, donc voilà, on a fait le travail et tant mieux, en tout cas, je suis fier pour tout le peuple strasbourgeois et pour nous. Bravo pour la célébration, déjà d'une, et bravo pour ce coup franc magnifique, vraiment. Merci, c'est gentil. On me connaissait un peu en national avec mon pied gauche. J'espère maintenant qu'on me découvre en Ligue 2 avec mon pied gauche. Et voilà, en tout cas, j'ai encore envie de passer des échelons et je travaille tous les jours pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez devenir le tireur officiel des coups francs, d'ailleurs.
Bon, j'y suis déjà à Strasbourg depuis longtemps, mais on travaille toujours pour s'améliorer. Donc voilà, je suis fier de moi et de toute mon équipe. Merci, bravo.